Salut les amis, ma petite vidéo aujourd'hui sur ma manière de m'échauffer et aussi le travail en slide, donc en fait avec des demi-pistons. Donc je travaille en fait en glissant dos uniquement, ce qui me permet de pouvoir étoffer mon jeu, pouvoir avoir plus d'expression qui se rapproche de la voix humaine. Et aussi en fait pour le placement des lèvres, c'est hyper important parce que ça me permet d'avoir toute la tessiture sans me soucier des doigtés. Et surtout penser qu'à ma position de lèvres et à mon air. Bon, je commence toujours en fait ma session par je souffle dans mon instrument, juste en pensant vraiment à la position des lèvres, et juste que ce soit fluide, en bougeant la langue de manière à, comme si je jouais en fait sur la tessiture, mais sans qu'il y ait de son. Une fois que j'ai fait ça plusieurs fois sur toute la tessiture, je rajoute du son et je fais des demi-pistons. Je m'échauffe quasiment qu'avec des demi-pistons. Ça me permet en fait d'arriver à timbrer beaucoup plus facilement après les notes sur toute la tessiture. Donc vous me direz, hein, si jamais ça a marché vous aussi, ce que j'espère. L'avantage aussi des demi-pistons, c'est de changer le timbre de l'instrument déjà acoustiquement. Trouver des inflexions de son qui sont presque proches de la voix humaine en fait. Le plus important, c'est de pouvoir en fait étayer sur ces modes de jeu et d'avoir des timbres en fait, des possibles d'expression dans un solo comme ça. Vous avez envie juste de faire un cri ou quelque chose qui soit très proche d'une voix humaine. Évidemment, là, je suis en acoustique, mais quand après je branche avec mes effets, c'est la folie. Thank you.